Eh bien, salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Une fois de plus, aujourd'hui, je vous retrouve pour la présentation d'un accessoire. Je parle bien entendu de la M2R Pro Warrior de chez Olight. Alors, tout d'abord, je voulais remercier notre partenaire Olight qui me permet aujourd'hui de vous présenter eh bien, cette lampe. Si à la fin de cette vidéo, cette lampe vous intéresse, eh bien, vous pourrez retrouver les liens dans la description qui, en plus de cela, spécialement pour la vidéo, vous permettront d'obtenir 30% de réduction pour l'achat simple de la lampe et 40% de réduction si vous l'achetez en pack. Bref, commençons de suite le packaging. Sinon, concernant la boîte de la M2R Pro Warrior, eh bien, c'est une boîte qui est super bien finie, honnêtement, elle est propre, elle est qualitative. On voit le logo garanti 5 ans. Il faut savoir que tous les produits de Olight sont garantis 5 ans, donc ils nous le rappellent bien. Il y a également un petit code QR. À l'arrière, on va retrouver des petites caractéristiques tout simplement de la lampe. Et quand on ouvre la boîte, donc, on a tout d'abord une boîte un peu aimantée, ce qui est très agréable. À l'intérieur, on va retrouver, eh bien, un petit carton blanc. On verra tout d'abord le fascicule d'utilisation qui est très bien fait et très bien expliqué. On va retrouver également une dragonne pour la lampe. Et enfin, si j'y arrive, et bien voilà, avec le petit cache, le port USB qui permettra en fait de pouvoir venir recharger la lampe. Et enfin, bien évidemment, on va retrouver la lampe. Alors, comme vous pouvez le voir, la lampe, elle est en fait dans une petite housse, j'ai envie de dire, que vous allez pouvoir venir accrocher à votre ceinture. Ensuite, donc, pour l'ouvrir, on l'ouvre comme ceci et enfin, on a accès à la lampe. Au niveau de la lampe, avec, on va retrouver une sorte de petit ressort, de petits bouts de métal en rétention, hein, je ne saurais vous le décrire. Mais en tout cas, ça va vous permettre de pouvoir tout simplement eh bien, l'accrocher, en fait, si je ne m'abuse, à la ceinture ou dans une poche, comme ceci. Et voilà, c'est tout pour le packaging. En tout cas, ce que je peux conclure, c'est que, eh bien, écoutez, cette fois, Olight, bien, au niveau du packaging, à 1000 paquets, on a quand même une boîte qui est plutôt propre et on a quand même pas mal de goodies qui nous permettront en fait de pouvoir l'utiliser dans plusieurs situations. Allez, c'est tout pour le packaging. Cette fois-ci, passons à ce que nous attendons presque le plus, j'ai envie de dire, les caractéristiques. Concernant son utilisation, la M2R Pro Warrior, eh bien, est spécifiquement conçue tout simplement pour être montée sur une arme ou une réplique longue. De plus, outre son utilité bien basique de lampe, grâce à ses petites dents bien situées à l'avant tout autour de la LED, eh bien, elle va pouvoir servir en tout cas de self-défense. Et malgré mes 2 années en Krav Maga, ce que je peux vous assurer, c'est que la lampe aujourd'hui, c'est un des moyens de défense les plus efficaces et les plus légales surtout. Concernant son prix, alors cette lampe, vous pourrez la retrouver pour les modèles les plus classiques à 129 € et pour l'édition limitée, eh bien, comme présenté ici, donc qui est de couleur hein, eh bien, un petit peu plus grisée, vous pourrez la retrouver pour 149 €. Pour la lampe, pour ce qui est du flux, on est sur du 1800 lumens. Alors pour certains, pour une lampe à main, certains diront qu'en fait ce n'est pas suffisant, mais on est quand même sur du 22 400 candélas, ce qui est très conséquent et honnêtement quand on l'allume, j'ai presque l'impression d'éclairer toute la forêt. Alors c'est beau, ça pète, mais qu'en est-il de la batterie? Comme à leur habitude chez Olight, eh bien ils font leur lampe de sorte à ce que la puissance baisse. Je m'explique, mais pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo précédente sur la PL Pro Valkyrie, lorsque la lampe est activée, elle va émettre une certaine puissance, j'ai envie de dire, un certain flux lumineux. Et au bout d'un certain temps, ce flux lumineux, eh bien en fait, tout simplement, il va s'abaisser et diminuer, de sorte à ce que l'œil tout d'abord s'habitue à son environnement, et puis, en plus de ça, bien pour préserver la batterie. Concernant le flux lumineux en fonction du temps et sa descente graduelle, j'ai envie de dire, en termes de puissance, eh bien, je vous mettrai eh bien là, en plein milieu, un petit récapitulatif en fait de tout ça, ça m'évitera de vous l'expliquer, ça prend du temps. Je vous laisserai donc faire un petit arrêt sur image ou une petite capture d'écran. Puisqu'on parle de batterie, on est sur une batterie rechargeable type pile, j'ai envie de dire. Alors, quand on va le dévisser à l'arrière, on va pouvoir accéder à la batterie rechargeable. C'est une batterie rechargeable de 5000 mAh qui vous permettra en fait de pouvoir utiliser la lampe au minimum, je dis bien au minimum, pendant plus de 2h30.
et je dis au minimum puisque en fait tout simplement l'autonomie de la batterie dépendra en fait de la puissance que vous utilisez. Alors cette lampe on peut l'utiliser pour plusieurs modes, tout d'abord un mode continu. Pour le mode continu il existe plusieurs flux lumineux, on est sur le turbo 1800 lumens, mais on va également retrouver le mode élevé qui lui est à 750 lumens, le mode médium 1 qui lui est à 250 lumens, le médium 2 à 60 lumens, un mode bas, un mode low, 15 lumens, et enfin le mode luciole à 1 lumen. Ça, c'était pour le premier mode. Bon, l'avantage, c'est qu'au moins, on peut facilement, on va dire, chercher et trouver l'intensité de lumière que l'on veut. Donc, on va dire que c'est plutôt bien. Pour activer le mode turbo, deux clics rapides sur le bouton latéral et deux clics rapides pour baisser, en fait, tout simplement son intensité. Un clic simple pour accéder au mode bas, médium 2, médium 1 et élevé. Une pression longue vous permettra, en fait, tout simplement de choisir l'intensité. Une fois l'intensité choisie, vous pouvez appuyer sur le bouton et bien cette puissance sera sélectionnée. À l'arrière, on va retrouver un petit bouton contacteur. Une pression légère vous permettra en fait de pouvoir émettre un flux à 750 lumens si je ne m'abuse. Et une pression un peu plus forte avec bien un petit clic qui se laissera sentir vous permettra de pouvoir obtenir une puissance de 1800 lumens. Une pression constante vous permettra ensuite, une fois le doigt relâché, et bien tout simplement de couper la lumière. Et un simple clic, tout simplement, pour laisser constamment la lumière, même sans le doigt sur le bouton. En clair, pour faire simple, lors d'une agression, et bien ça va être très très pratique. On va pouvoir et bien réagir très rapidement et pouvoir et bien riposter très facilement. C'est un bouton qui va donc tomber sous la main, et pour la self-défense, c'est juste top. Par contre, pour ce qui est du mode strobe, je trouve que les trois clics rapide sur le côté latéral, bien c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus pratique, et pourtant le strobe est tellement redoutable. J'ai également que ce bouton ne sert pas simplement eh bien pour l'allumage à la main, mais comme je l'ai dit, pour être monté sur arme longue, étant donné que à l'achat séparément ou en pack, vous pourrez acheter un contacteur qui va se monter en fait sur eh bien votre arme ou votre réplique longue. Contacteur magnétique, alors vous me connaissez, le magnétique et moi sur de l'équipement tactique, c'est pas ce que je préfère, ça a tendance à vite s'arracher, mais en tout cas au moins il est disponible. Le bouton magnétique viendra eh bien s'aimanter, l'aimant est quand même très résistant, je tiens à le préciser, et en appuyant eh bien sur le switch déporté, vous pourrez ainsi émettre eh bien de la lumière. Concernant son efficacité et puis j'ai envie de dire sa prise en main, une fois montée en fait sur l'arme longue, eh bien cette lampe est totalement redoutable. Alors je parle évidemment moi quand je suis avec le switch déporté. Enfin pour son fonctionnement, sachez qu'il est possible en fait de verrouiller la lampe. Une pression longue en fait pendant plus de 2 secondes sur la lampe et le mode luciole apparaîtra. Un clignotant rouge apparaîtra sur le bouton latéral et la lampe eh bien ne pourra plus fonctionner. Une pression longue sur le bouton jusqu'à ce que le mode luciole réapparaisse vous indiquera que eh bien la lampe est de nouveau fonctionnelle. Et voilà, on en a fini pour son fonctionnement. Maintenant concernant sa solidité, on a une armure en fait qui est toute en métal. Alors je pencherai sur un aluminium qui est tout de même plus résistant. Olight nous ont habitués pour tous leurs produits en fait à avoir de beaux produits, de produits costauds. Concernant son étanchéité, elle détient la norme IPX8. Pour faire simple, vous allez pouvoir mettre la lampe à 2 mètres de profondeur pendant plus de 30 minutes. L'indicateur de charge de la lampe apparaît sur le bouton latéral, et alors ça c'est un super bon point. Lorsque le petit bouton il est vert, eh bien ça veut dire que la charge est supérieure à 75%. Lorsque le petit voyant est orange, c'est-à-dire qu'il est entre 30 et 75% de charge. Lorsqu'il est rouge, la charge est inférieure à 30%. Et lorsque le voyant apparaîtra rouge un peu transparent, eh bien là c'est vraiment qu'il va falloir recharger votre batterie incessamment sous peu. Au niveau de l'esthétisme de la lampe, eh bien écoutez, on a une petite prise en main sinon qui est un petit peu grippante. Eh bien, très sympa. Sur l'avant, on va retrouver les dents comme j'en ai parlé. Par contre, autour de la lampe, c'est vrai qu'il aurait été intéressant, pourquoi pas, que Olight propose en fait des cannelures qui permettraient en fait à la lampe de pouvoir moins chauffer, refroidir plus facilement, voilà, et parce que c'est vrai que cette lampe a tout de même tendance un petit peu trop à chauffer à mon goût. En tout cas, en cas de panne, sachez que chez Olight, comme je l'ai dit en tout début de vidéo, Olight propose 5 ans de garantie et à mon sens, c'est plutôt un gage de qualité. Allez, je vous avais promis les tests, on y est enfin. Passons donc tout de suite aux phases de test.
gros récap sur cette Olight M2R Pro Warrior. Eh bien écoutez, tout d'abord, elle est vraiment, je trouve, adaptée eh bien, pour une utilisation en tout cas sur armes ou répliques longues. Pour la self-défense, mais c'est vrai que j'ai pas fait les tests, donc, étant donné pardon, que je ne suis pas un professionnel. Par contre voilà, sur une arme ou réplique longue, c'est vraiment le top. Le switch honnêtement, bah, malgré qu'il soit magnétique, j'ai vraiment pas de problème. Il se barre pas honnêtement. Le switch, sinon, au niveau du contacteur, eh ben, c'est très fluide. Il y a un petit clic qui est bien sympa. Très flex, le bouton. On sent un léger clic, c'est impeccable. Et puis, on se tue surtout pas le doigt avec. Seul petit défaut que je lui reprocherai pour les tests, c'est le mode strobe sur une arme ou une réplique longue. Soit il va falloir positionner votre lampe de sorte à ce qu'elle soit proche de votre doigt. Sinon, pour le mode strobe, c'est oublié. Clairement, c'est un peu la merde. Désolé pour le langage vulgaire, mais il faut être honnête, le mode strobe n'est pas adapté, en tout cas sur cette lampe, pour être utilisé, en tout cas sur réplique longue. En tout cas, je vais parler avec le switch, bien évidemment, le switch ne permet pas non plus de l'utiliser. Sinon, si la lampe vous a plu et vous intéresse, eh bien, je vous invite rapidement en fait, à vous rendre sur les liens, puisque eh bien, les réductions ne seront applicables que pendant un petit laps de temps. Concernant sinon les accessoires du style le switch déporté ainsi que le montage lampe sur IP Catini, type standard 1913, c'est cadeau, c'est pour moi, je vous mettrai les liens en description, si je suis pas sympa. Non, plus sérieusement, si cette review vous a plu, eh bien écoutez, je vous invite à lâcher un commentaire, un like aussi également, à partager la vidéo si ça pourrait intéresser éventuellement un pote ou un membre de votre team d'Airsoft. Je vous invite également à vous rendre sur la page Instagram de la FAD. On poste du contenu assez régulièrement, des vidéos et de la photo badass. Sinon, bien évidemment, on s'abonne et on active la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut à tous, Airsoft est bien.